sur Dorse encore une fois. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Rémi. Tu peux dire bonjour, cette fois-ci, on t'entendra. Salut! Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour du Dorse. Et enfin, j'ai réussi à trouver une application qui nous permet de nous entendre. Donc, vous entendez Rémi pour la première fois avec moi dans Dorse. Et allez, bah, c'est parti alors. On est prêt. Rémi, dis un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui sur Dorse. Alors, le thème de la vidéo, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de vous faire découvrir tous les monstres pour qu'on vous aide à les esquiver. Et voilà. Voilà. Genre, c'est un petit tutoriel pour vous aider à passer plus facilement le super hard mode. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Vous voyez sûrement que ma voix, elle change un peu, mais ça, c'est ma vraie voix. Je vous jure, c'est la vraie. Parce que j'avais pas une bonne application pour la qualité, etc. Donc, voilà. Bon, si vous êtes prêts, on peut y aller. Allez, viens. On peut y aller. Et pour l'occasion, je mets comme d'habitude mon skin de figure et remise en skin de sick. Et bah ouais, parce que moi j'ai déjà réussi le jeu et c'est trop facile et voilà. Ouais. Aujourd'hui aussi, on va peut-être le réussir, on ne sait jamais. Enfin, si là, Jeff the Killer qui vient nous tuer, ouais. Là on peut rien faire. Hein. Jeff the Killer, franchement, il faut avoir une alléluia sinon on est mort. Ouais. C'est un peu chiant, mais bon, on n'a pas le choix. Ah, la belle musique. Allez, c'est parti. On n'écoute pas, il faut être chaud. Alors déjà, vous voulez pas mourir, ne prenez pas la clé, sinon vous êtes mort. Regardez, en plus il est marqué 002. Et nous on va aller à la 001. Alors on prend la porte, la clé numéro 1, voilà. Qui est ici. Ouais. Vas-y, prends la clé. La clé numéro 1 est ici, derrière l'étagère, pour ceux qui ne savaient pas. Et qui n'ont pas encore joué au Super Hard Mode. Vas-y. J'ai déjà des piles en plus, pour attention. Eyes. Alors, Eyes, il spawn quasi dans ce mode à toutes les portes. Alors, gardez bien cette idée en tête et soyez prudent parce que franchement, il spawn quasi toutes les portes. Mais il est bien par contre pour ce qui en est de la lumière quoi, dans les pièces sombres. Ça oui. Mais voilà. Ah bah ouais. Ouais. Oh, ouh là 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 là. Alors, attends. Les pots de banane. Alors, vous voyez, Eyes, il a spawn et voilà, j'ai pas eu ma garde et voilà. Les pots de banane. Alors, les pots de banane, si vous glissez, vous perdez de la vie et vous déjà y allez fait. Ça peut vous faire mourir si un monstre qui arrive comme Rush, Ambush et tout. Il est possible de voir Ambush plusieurs fois. Rémi hier a fait une game en solo, je le regardais. Il a eu 4 fois Ambush dans la game. Je l'ai prédit, bien sûr. Ouais. Et moi, dans la dernière vidéo, vous avez vu que j'ai glissé, j'ai quand même réussi à me cacher. Si vous êtes abonné et que vous regardez mes vidéos, vous saurez de quoi je parle. Sinon, voilà, petite présentation, merci pour le pansement. Donc, gardez bien votre garde et regardez aussi autour de vous. Parce que dans ce mode, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un briquet, c'est logique. Enfin, il y a plus de thunes dans ce mode. Oui, oups alors. Oh, il y a une potion. Beaucoup plus de thunes. Il y a des potions de bouclier. Alors, les potions de bouclier, comme Rémi vient de boire, il y a les petites et les grosses. Si vous jouez à Fortnite, c'est pareil. Les petites vous donnent 25 de shield, du coup. Exactement. Et les grosses, 50. Vous voyez, là, il y a attention. Un monstre. Quel sera le monstre? Ça, c'est Rush. Ça, c'est Rush. Faites attention aussi, puisque dans le hard mode, on peut pas rester infiniment dans une armoire, sinon ça nous fait expulser. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Bah voilà. Pourquoi je peux pas sortir? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on dirait mon cœur y bat. Viens. Mis ma main sur mon micro, les gars. J'ai fait une erreur. Bah voyez, vous avez été expulsé. Et j'avais pas vu le screech, donc j'ai perdu beaucoup de vie. Sinon, les armoires, vous pouvez rester deux fois maintenant. Les Screech, ils vont beaucoup plus vite eux aussi. Donc, ouais, je crois. Vous. Et les armoires, du coup, vous pouvez rester à la place de 10 secondes, 5 secondes. Attention, il y a une fake. La fake, à mon avis, c'est pas celle de. C'est celle de tu. J'ai y a encore une... Si tu trouves un shield, tu me laisses. Bah c'est oui. Pas vrai. Oui, une bibliothèque. Oh non, sérieux. T'as eu quoi dans la bibliothèque? Crochet. Ok. Voilà. T'as pris la prends clé? Les items. Ouais, je l'ai prise, viens. Ouvre la porte. Laisse-moi la bibliothèque maintenant. Non, moi, j'ai besoin de trouver du shield. Oh oui, bah voilà. Ah bah voilà. Alors, les grosses potes comme j'ai en main vous donnent 50 de shield, donc si vous voulez être à fond,
faut en boire une si vous avez déjà bu deux autres, des petites, pour être à fond, et deux pour être à fond, du coup, et comme ça. Voilà. Bien, viens. La petite barre bleue, bah voilà. Ça veut tout dire. Attention. Alors, un autre monstre. Ah, ça, c'est un même, c'est un même. Alors, les mêmes, ils vont beaucoup plus rapidement. Regardez la vitesse. Ces mêmes-là, il faut vraiment faire attention parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que Rush. Donc, c'est un peu comme Rush, mais en version même. Ouais, voilà. Donc, pour ces monstres, ne vous inquiétez pas. Quand les lumières clignotent, vous connaissez le bail. Attention, il y a deux pots de banane, une à côté de l'autre. Voilà. Aïe. Ça l'avait dit. Ah bah voilà. Attends, deux minutes. Ça va, j'ai hâte. Voilà. 15. Attends, je laisse-moi regarder. Ouais, c'est bien, merci de m'éclairer. Alors, Alors, quand vous entendez un toc-toc, apparemment, laisse-moi le shield. Tu l'as déjà pris. Ah bah j'ai déjà pris. Quand vous avez entendu un code toc-toc, c'est sûrement Jack. C'est un monstre qui se bloque dans les armoires. Donc, vous pouvez regarder, vous obtiendrez un badge difficile à voir. Moi, je l'ai même pas, pour vous dire. Ça, le détail. Moi, je l'ai, je si crois. Si vous avez déjà joué à Dor, vous connaissez. Vous prenez des tableaux sur les murs et vous les replacez où il est marqué. Du coup, les formes en bleu. Et ça vous offrira le passage sur. Alors, voyez, là, un autre monstre. Le crucifix, laisse-le moi. Vous pouvez trouver le crucifix. Wesh! Attention! Vous voyez comment il va vite? Alors, le crucifix, il est beaucoup plus facile à trouver entre deux lits comme ça. Alors, vous pouvez être certain qu'il y en aura un. Ouais, il y en a souvent ici. Juste pour vous dire, le crucifix ne marche pas sur Ambush, mais sur les autres monstres, oui. Mais sur site et figure. T'as combien d'argent? Il y a le quick là, tu l'as pris? Ouais. Le quoi? Lockpick. L'argent, j'ai 345. Attends, lockpick, non. Ok, moi j'en ai 720. T'as quasi plus de batterie. Non. T'en es où, là? Attends. Attends-moi. Il faudrait une petite pile. Ah bah oui. Attends, t'as quasi, voilà. Vas-y, je t'attends. Attends-moi. Ouais, bah oui. Voilà, c'est bon. Je crois que j'ai jamais utilisé le crucifix sur Ice, tellement il est nul. Vas-y, ça sert à rien à l'utiliser. Ouais, j'avoue. Il y aura un truc. C'est sûr? Non. Oh. Ah si, bah oui, je le savais. On va ça. En plus, actuellement, Rémi a des moments de prédiction. Alors, Bah voilà. J'ai pas, moi. Ah, ça même, ça. Vous voyez comme ils vont vite, le même. En fait, c'est le même bruit, sauf que les visages ils changent. Et regardez, comme. Allez. Ils passent les mêmes, bah. Ah, ils y disparaissent parce qu'ils ouvrent toujours la porte, la bonne porte. Donc ne vous trompez pas. Oh, il y a gros shield là. Où? Mais. Attention. C'est toi qui l'avais. Oh, je suis bien en vie, moi en plus. Moi non. Oh là là! J'ai même pas encore attrapé de thune. Il faudrait que tu me laisses un petit peu shield. Et par contre, Alt, il n'est pas dans le hard mode. Oui, Alt. Oh, il y aura le run. Alt, il n'est pas dans le hard mode, juste pour vous dire. Il y aura Sick. Ouais. Attends-moi. Ouais. Bientôt, il y aura Sick. Pour esquiver Sick dans ce run, c'est vraiment très difficile. Parce que déjà, les portes, elles ne s'éclairent pas en bleu comme dans le mode normal. J'ai la porte, mais on fouille. Oui. Elle ne s'éclaire pas. On fouille. Mais oui. J'utilisais mon boost. Bah voilà. Comme je disais. Non, en fait, tu n'y vas pas. Comme je disais, les portes s'éclairent pas. Donc c'est beaucoup plus difficile. Laissez votre caméra vous guider la plupart du temps. J'ai failli prendre. Oh, la bougie. La petite. La laisse, s'il te plaît. Oh, y'a ouais. Là. Ah bah non, c'est le putain. Oh, y'a Siro, yes. C'est bon. Bon. Vas-y, je vais aller à côté de mon frère, moi. Ouais, va voir ton frère. Et dans ce mode, voilà. Bah, Sick est juste en voiture, hein. Bah donc oui. Il va beaucoup plus vite. Et il y a le réflexe de toujours regarder à gauche et à droite dans les portes. Pour pas le trouver. C'est un conseil que je vous donne. Wesh. À droite.
Il y avait un shield qui peut le faire. Je vais crever, je crois. Il passe. Hein. À droite. Gauche. Utilisez les vitamines si vous voulez. Oh là 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 là! Oh! T'as eu de la chance! À deux doigts de mourir! Ouais. Attention, il y a Eyes! Il faut que tu me laisses des piles et des, de la vie. Bah oui! Oh. Attention, attention! On va le plus devant possible, viens! C'est Rush! Aussi, j'ai oublié voilà. De préciser que Rush dans ce mode il va beau un petit peu plus vite. Donc, comme si c'était de... après la porte 50. Après la porte 50, il va à peu près à la même vitesse. Oh là 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 là. Oups. Il y aura un truc. C'est trop calme. Ah non, attends, non, non. Abouti va te dire. Non, il n'y a rien. J'ai à peine 790 sacs de thunes. Laisse-moi des trucs par contre. Laisse-moi fouiller. Non mais j'ai que des PC, c'est bon. Voilà, 47. On n'a pas de grenade. Il faut deux fois de grenade à lui. On a rien. Ça va être chaud. Parce que si Jeff se ramène, on est foutu les gars. On est vraiment foutu. Mais wesh. On a même pas de grenade. Pas de lumière. C'est ultra rare qu'on n'a pas de grenade. Ouais, j'avoue. Oh, on est déjà figure. Ça passe trop vite. Tu l'ouvres, tu m'as tiré. Bon, bah là, Rémi, bah, comme on n'a pas de grenade, on ne saurait pas la lancer sur figure version noob. Ouais. Donc, voilà. Regardez, il y a un bug par contre, ils ont pas besoin de travailler sur ça, mais la dimension, genre, il est normal, les couleurs de ce corps et tout. Bah dans le hard mode, il est en nous. Bon. Prends bien les livres. Ouais, on les prend, les prend. Dans, et dans la bibliothèque, vous avez un code à 10 chiffres, je dis bien. 10 chiffres, mais il faut collecter 15 livres en tout. 15 livres à collecter. 10 chiffres, mais 15 livres. Avec différents signes que dans le mode normal. Alors, surveillez bien. Je ne sais pas si le trajet de figure il est différent. Non, je crois pas. Non, mais il a l'air d'aller beaucoup plus vite. Il est ultra rapide. Non, plus il est là, plus il va ultra vite. C'est quoi? Ouais. Il augmente sa vitesse. Plus on est là, plus il va vite, c'est ça? Oh là, je crois que c'était toi. Oh ah oui, moi c'est mon frère. Regarde, regarde, regarde. Oh oui, vas-y, balance-lui. Quand il vient. T'es prêt? Ouais. Regarde pas pour. Mais que ça va être dur quand même. Vas-y, lance-la. Qu'est-ce qu'il y a, Lio? Lance-la. Et c'est vague, moi. Ok, c'est bon. J'ai confondu avec un autre youtubeur. Oh my god. Oh my god. Je suis pas libre. Bah voilà, on est tranquille. Dingue. On est tranquille, lève-toi, lève-toi. Arrête de te confondre avec un autre pote que t'as. Moi je sais pas lire, bah oui. Je suis vague. Attends. Tiens, mais ils sont où les livres là? De toute façon, je ne dévoilerai pas mon prénom avant un bon bout de temps, les gars. Oh, Rémi, ici, crochet. Où? Viens. Yeah. Book. À mon avis, ça c'est Hunter Hunter. J'ai bien compris la référence. Oui. Là il en a plein normalement. Ça fait des bruits. Ouais, j'en ai déjà deux. Hop. Trois. Voilà. Oh bah ouais, il y en a plein là. On les a tous. Ah, il faut le livre, je sais pas si tu l'as. Le livre. Le book. Je fais le code, vas-y, dis-le moi. Attends, mais j'ai pas la feuille, j'arrive. Attends. S'il fait calme comme il est quand il a pas figure.
J'avoue. Il n'y a même plus la musique. Que je l'ai. Alors le code. Le code c'est. Attends, attends, moi. 3. Attends, 3. Attends. 3. Vas-y. 1. Le. Attends. Je trouve pas. Attends. Ah oui, c'est 1. 1. Easy. 5. 5. 2. 2. VI. Il est où le VI? Ah ouais, 6. Le... Ok. 3. 3. 8. 8. Non, c'est ça, ouais. 4. 4. 9. 9. Et 2. Allez, Olé. Nickel. Oh, j'ai fait sur... Mais... Ouais. What? T'as osé t'as bugué? Pas non, pas vraiment. Oh. Tu prends quoi? Ah ouais, je peux pas le détecteur. Vas-y, prends la lampe de poche. Ah non, attends, je prends les détecteurs. J'ai 975, il me faut 15. Attends, 2 minutes. 2 minutes. Hein? T'auras pas de pièces dans ces pièces. Ils ont tout pensé. Quoi? Il y a de l'argent là où j'étais, mais bon. Je risque de crever moi. N'hésite pas à aller trop loin. T'as combien de thunes, t'as dit? Il m'en faut 75. Ça va aller vite. Ici, ici, viens où je suis. Où? T'es où? Y'a des lagos. Où? Là. Ouh! Attends, 2 minutes. Ah bah oui. Ok, c'est bon. Je peux acheter le détecteur. Oh là. Voilà. Parfait. Par contre, si t'as de bulle, donne à moi. Ah bah oui. Moi, j'ai plus de batterie. Et moi, j'ai plus rien. Attends-moi. Il me faut une pile. Franchement, j'ai pas de pile dans ce bateau. Quoi? Il me faut vraiment une pile. Et je m'en fous du sérum, moi. Il me faut une pile. J'ai une pile au max des sérums. Ah. Attention. J'ai entendu un item, je sais pas si c'est une pile. Attention! C'est quoi ce truc? Je sais pas. Attention, y'a une fake! Mais. Oh, la bouche! J'ai enfin la bouche. Pour vous dire, qu'est-ce que c'est la bouche? En fait, si vous la voyez pas, c'est pour ça qu'elle est transparente, justement. C'est une bouche, elle vous perd. Si vous prenez trop vite. Merde. Les objets, ça, elle vous indique qu'il faut que vous ralentissiez. Et si vous ne faites pas attention, oui, je sais. Si vous le faites pas, vous êtes, elle se rapproche de plus en plus et elle vous mange. Et c'est surtout avec les pièces. T'aurais dû me laisser le grand shield. Ce bruit que vous entendez très fort, c'est une fausse porte. Et les fausses portes dans ce mode, elles vous tuent directement. Sans hésitation, hein. Ah oui, ça non. Hein. Il n'a aucune pitié. Franchement, là, Rémi, tu devras utiliser beaucoup ton. Ta lampe de poche parce que moi j'ai plus de batterie. Quasi plus. Ok. Si y'aura un truc. T'es sûr? Attends. Ah non. 5. Ah, avec mon détecteur, je peux directement trouver la manivelle. Pourquoi j'ai mis. Oh là là. Ah ouais, j'ai pas pris la clé squelette moi. C'est moi qui l'ai. Ok. Ah, mais elle est juste ici. Voilà. Grâce au détecteur que tu peux avoir grâce au A1000. Vite, je reste dans la cave. Je reste dans la cave. Ok. Chut. J'arrive. Ah bah oui. Après la porte d'accord, tu vas encore plus. Oh, il vient, alléluia. Yes, on est là, on est sauvé quand ici il y a Jeff. J'avoue. Bah prions pour pas qu'il y en aille un.
La difficulté de ce truc, c'est que si y a Jeff le killer, bah, et que t'as pas de bombe, là, t'es vraiment mort. En plus, la dernière une fois, on avait fait une game. Oh, bah voilà, quand on parle du loup, je suis mort. J'ai essayé de finir ce jeu alors. Moi, mais non, mais Rémi, c'est pas une vidéo sinon. Voilà. Bon, bah voilà, les gars, on aurait été jusqu'à la porte 70. Je me trompe pas. 65. 65. Bah, je vous aurais déjà expliqué pas mal de monstres. Juste Jeff the Killer, c'est le seul qu'on peut pas arrêter. Il vous tue. Si vous avez du shield, il vous mettra 3 coups et vous êtes mort. Si vous avez pas de shield, 2 coups, vous êtes mort. Si vous avez la moitié de votre vie, bah, vous êtes mort direct. Comme par hasard, t'as d'alléluia. Bon, bah sinon, voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notif, ainsi que de commenter et partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Et sinon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, c'était Vague, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les amis!